Bonjour à toutes. Alors, ça fait un petit moment que on ne s'est pas, je veux pas dire pas vu, mais que vous m'avez pas entendu. Ça fait un petit moment que je suis pas venue sur YouTube. Voilà, on va y arriver parce que j'étais après les calendriers de l'Avent. Ça m'a pris pas mal de temps. Ils sont terminés. Donc aujourd'hui, on est jeudi 18 novembre. Donc ils sont terminés. J'ai décidé de ne pas vous présenter celui de Adeline parce que vous irez voir sur sa chaîne. Donc sur la chaîne d'Adeline, c'est Mon Plume Scrap. Je pense que vous savez toutes de qui je parle. Donc les calendriers vont partir là samedi. Samedi, on sera le 20 novembre. Donc ils sont emballés, les deux, le sien et l'autre. L'autre, c'est Camille, les créas de Cam sur YouTube. Pareil, il est emballé, il est fini. J'ai pas fait beaucoup de créations parce que je pense que j'étais un peu prise de panique à l'idée de me dire que j'en avais trois à faire. Donc, en catastrophe, il y a une dizaine de jours, j'ai fait une commande parce que j'ai vu de toute façon que j'allais pas y arriver. Ouais, j'ai vu que j'allais pas y arriver. Et j'avais pas envie de m'en rendre malade. Voilà, j'y ai mis tout mon cœur. Et puis, ça m'a fait plaisir de leur faire des cadeaux. Donc, j'ai certainement dépassé le budget, mais enfin, qu'on s'était fixé aussi bien avec Adeline qu'avec Camille. Mais bon, de toute manière, voilà, j'avais envie de leur faire plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'espère que les calendriers vont leur plaire. Donc, vous irez voir sur leur chaîne. Donc, Mon Plume Scrap et les créas de Cam. Par contre, aujourd'hui, je vais vous présenter, mais pas tout en détail, celui de Nathanaël. Alors, Nathanaël, c'est sur Instagram. Donc, j'ai mis pause et puis je suis allée sur Insta parce que je me rappelais plus, j'avais un doute. Donc, c'est Nathanaël LB, tout en minuscule, tout en attaché. Donc, je vous l'ai écrit là, Nathanaël LB, en minuscule, tout attaché. Et puis ensuite, vous allez voir, c'est écrit Nathanaël, espace, L majuscule, B minuscule. Voilà. Sur Insta. Donc je pense qu'elle mettra des petites photos, je pense. Et puis si elle en met pas, pour les curieuses, vous n'avez qu'à m'envoyer un message, je vous dirai. Si je me souviens de ce que j'ai mis dedans. Donc avec Nathanaël, c'était différent entre guillemets, gros calendrier de l'Avent qui était prévu avec Adeline et Camille. Donc moi, j'ai dit à Nathanaël doucement la quantité, doucement tout ça. Mais par contre, j'avais fixé un budget pour le 25 parce que il y a un cadeau de Noël. Voilà. Alors, j'ai fait une Memory Dex. Et en fait, c'est une Memory Dex. Carte parce que j'ai pas fait de carte, mais j'écris mon mot derrière en fait. Donc voilà, c'est des papiers de chez Action de cette année. Ça, c'est un dice que j'ai. Donc du coup, j'ai fait un petit shaker. J'espère que je me mets bien. Voilà, j'ai vraiment du mal. Puis comme j'ai pas de retour avec mon téléphone, un peu compliqué. Donc voilà, du doré, des pompons blancs, une petite tête de petit pingouin. Voilà, puis du marron. J'aimais beaucoup. Mais je ne suis pas du tout partie sur ces couleurs-là. Donc je lui ai fait un calendrier avec les boîtes. Donc je vous montre. Voilà, voilà la bête. J'espère que comme ça. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir. Ouais, j'ai mis des coins. Voilà. Sur le côté, c'est du papier cadeau pailleté de chez Action qui a craqué, donc du coup j'ai mis du petit ruban comme j'ai pu, et voilà du papier effet bois, et ça c'est un papier de Noël de chez Action, mais je ne sais plus de quand. Une découpe qui vient de chez Ali, pareil, le mot Noël qui vient de chez Ali, des découpes. Ça c'est mes petits dies chouchous, des petits dots par-ci par-là, et là j'ai mis du tulle.
Je pense que vous pouvez voir. Voilà, du tulle qui vient de chez Action. Puis des petites étoiles en bois. Voilà, que j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé avec un nœud. Et là, j'ai mis du pompon. Donc là, parce que ça a cassé dans les angles. Du pompon gris, de la twine et puis du pompon blanc. Voilà. Ça a cassé dans les angles parce que c'est du papier cadeau. Pardon, excusez-moi. On a beau laisser de la place. Ça craque quand même. Enfin bref. Et donc, je vais faire attention en ouvrant. Normalement, il n'y a rien qui tombe. Donc un ruban qui venait de chez Lidl. Et donc voilà l'intérieur. De toute façon, je pense que vous n'allez pas pouvoir voir tout. Je vais vous donner la dimension des boîtes. Les boîtes, elles font quasiment 6. Ouais, elles font, allez, 5,8 par 5,8. Et elles font 3,7 de hauteur. Attendez, je vais enlever un petit cadeau dans la première. Ce que je mette là. Et puis je vais vous montrer comment c'est fait. Voilà, c'est fait comme ça en fait. Vous avez des petits rabats. C'est fait à la punchboard. J'ai mis un scratch. Et puis voilà. Et puis là, j'ai fait une. C'est des dies. C'est que des découpes de dies. Mais j'ai fait plusieurs couleurs en fait. Voilà. Donc dans ces boîtes, eh ben, elle va trouver des choses. Je vais remettre tout de suite le petit 1 avant que je sois capable de tout remettre dans le carton et de me rendre compte que j'ai oublié de lui mettre son petit cadeau. Donc voilà, c'est... Pardon, je suis désolée. Je suis malade. Et du coup, ça tout saute. Donc, quoi dire sur... Pareil, des papiers de chez Action, des dies, du ruban que j'avais, des petites étoiles en bois. Voilà, je pense que vous le voyez bien si je vous montre comme ça. Voilà, je me suis régalée à le faire. Je l'ai fait très rapidement. J'aime beaucoup ce principe. C'est quand même des grosses boîtes. Donc, on peut quand même mettre des choses assez conséquentes dedans, je trouve. Et puis, pour les jours où ça tenait pas à l'intérieur, ben je lui ai mis un petit mot. Je lui ai mis un petit mot dans la boîte. Et elle aura juste à aller chercher les petits paquets. Alors, attendez, parce que c'est dommage qu'elle voit les numéros. J'ai fait des petits paquets. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai fait des petits paquets. J'ai mis ce que j'avais besoin de mettre dedans. Je vous en montre pas plus, ça sert à rien. Je lui ai fait un gros paquet pour le 25. Voilà, donc ça c'est son cadeau de Noël. Voilà, qui est bien emballé, bien protégé. Et il est dedans, voilà. Donc ça, je le mets dans le carton. Et en plus, que j'ai ajouté, mais que j'ai ajouté, ça je crois que j'en ai mis dans les cartons de toutes, c'est des mousses. Voilà, je me suis dit que comme j'en avais pas mal, autant en faire profiter. J'avais trouvé ça chez Noz. Et puis à Nathanaël, je lui ai rajouté ce bloc là, parce que je sais pas pourquoi, j'avais envie de lui rajouter. Je sais qu'elle a une bonne imagination et je me dis qu'elle pourra faire quelque chose de mignonnet avec. Pareil, c'était un bloc que j'avais trouvé chez Noz. Donc voilà. J'aime bien. On peut découper. On n'est pas obligé de scraper les pages. Voilà. Un petit défi pour elle. Qu'elle tente de nous faire quelque chose. Voilà. Un petit cadeau en plus, comme ça. Pour patienter d'ici le premier. Parce qu'elle va le recevoir avant le premier. Donc voilà. Voilà, voilà pour les calendriers. J'ai hâte de recevoir les miens. J'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue aux nouveaux nouvelles. J'espère revenir quand même un peu. J'espère être un peu plus présente quand même sur YouTube à l'avenir. Sinon, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Salut, salut!